Ok, chargeant dans notre programme. Voyons, comme vous pouvez constater, USB connecté. Il faut faire attention avec celui-ci. C'est lui qui va vous signaler. Ok, on enlève. Ensuite, voyons donc. Ok. L'une des remarques que vous devez faire, c'est que si ce genre de situation apparaît, d'accord, faut pas paniquer. Ça veut dire que cette information, celui-ci, il veut dire que le câble de données n'est pas en place. Donc, ce qu'il faut faire, il faut vérifier au niveau d'ici, au niveau de la carte mère. Donc, là, c'est son câble de données. Il doit reconnecter. Ça veut dire qu'il est mal connecté. Donc, là, c'est aussi un problème qui peut généralement survenir. Il faut faire aussi attention dans le problème qu'il faut résoudre. Comment le résoudre? Vous devriez donc, n'est-ce pas, venir au niveau de votre programme là, au niveau d'ici, il y a cette taille que vous devez la modifier, d'accord. Ensuite, les autres programmes aussi, il faut vérifier la taille à 64 et aussi là 64 64. Et là, charge le programme. On valide, sauvegarde. Ok. Connecter. Ok, j'enlève. Donc. Même phénomène se produit. Donc, la seule différence que celui-ci n'est pas activé. Okay. Donc pour le logo, pas simplement. D'accord. Donc ce problème est dû au fait des rafraîchissements de la carte d'affichage. D'accord. Donc comment on résout ça? Vous venez au niveau de votre logiciel. C'est toujours le mot de passe. Vous venez là. Fréquence. Ok, vous devez le rafraîchir à 4.0. C'est tout. Valider. Fermer. Sans toutefois modifier mon programme. Je cherche mon programme. Je cherche mon programme. Le mot de passe, vous chargez. Et puis, je charge. Ok, je l'enlève. Ensuite, je le charge dans mon microcontrôleur. Ok, je l'enlève. Ok. On pourrait le constater.
Là, c'est dû au fait de la caméra. Voilà les deux écrans qui s'affichent. Ok. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a ce problème qui persiste. D'accord? Nous sommes tous d'accord. Là, ce n'est pas bon. Donc, comment allons-nous dépanner? C'est toujours un problème de rafraîchissement. Alors, nous sommes tous d'accord. Comme vous pouvez donc le constater, il y a ce problème-là qui persiste. Vous voyez qu'au niveau de ma caméra, là, il y a ce problème. Nous sommes tous d'accord. C'est un problème. Donc, c'est un problème lié au fait du rafraîchissement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va venir au niveau de notre programme, comme je vous ai dit. Vous devriez le rafraîchir. Vous venez dans paramètres d'initialisation de votre écran d'affichage. Et puis, il y a lui là. Vous devriez le prendre à 5 minutes. Tout est bon. Tout est bon. On valide. Ok. Ce gars, ok, d'accord. Ensuite, je charge mon programme. Charge. Très bien, je l'enlève. Observons tout ensemble si cette trêve va partir. Je cherche pour vous. Là, ça m'affiche erreur. Ok, j'enlève. Ok. Non. Notre écran d'affichage 64 par 225. Là, la photo qui est au fond de l'écran. Puis là, sur le message. Nous sommes d'accord. Cette matrice d'affichage nous permet d'avoir. De concevoir des grands tableaux d'affichage tels que celui-ci. Okay. Et puis tels que ces grands tableaux-là. Attention, attention. Donc, si vous avez aimé, likez.